Qu'est-ce que je dois pique contre ces conneries, putain. Ah ouais, Bart, c'est pas trop mal. En fait, le problème, c'est qu'avec son Carthus de merde, vu que je sais que je vais devoir roam parce qu'il pue, je pense que je suis un peu obligé de pique Bart. Je pourrais pique Rakan aussi, mais Rakan Carthus, mec, c'est tellement honteux comme phase de lane. Quand prendre Targon avec Bard, je vais pas pouvoir proc mon Malame voleur de sort mes couilles là. C'est impossible d'aller auto-attaque leur champion. Enfin, c'est très difficile s'ils jouent bien. Ouais, en effet, ils ont Yonko, ils ont Sertus, ils ont Erdot, ils ont des bons joueurs. Ouais. Il joue vraiment au EZ. Putain, il avait encore son Z lui? On a écrit de notre side, mais j'ai pas mon E, donc ça va être dur de follow-up un gank. Je dois pas prendre ses traits parce que je lui donne des stacks pour son item support, je suis un peu con. En vrai je fais au mieux, hein. J'ai trouvé des bons timings de trade. Merci pour tous les subs. Merci à tous les dogos. Ça me met tellement bien de dire ça, vous vous rendez pas compte. Ça c'est quand même j'ai notre set, on aurait pu vraiment faire des dingueries. Ok, je force un peu de décalage, j'ai mis un peu de pression. Ah bah cool. Je suis touché! À l'aide! À l'aide! J'aurais dû l'auto-attaquer, je suis merde. À l'aide! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Je suis touché! Putain, il a eu une chatte! À l'aide! Merci, la niche est très bien remplie, merci à tous! Je crois que je l'assiste. Il a eu le dragon de bâtard. Ok, ils sont giga grid, on a donné plein de kills à Aerelia, ça mettrait très bien. Oh le bâtard, il a pris vraiment? Quoi, il a eu le temps de one shot? La merde. Faut le finir fast. Nice. Je suis un peu trop loin. Je suis pas très bien, je le move. Qu'est-ce qu'il faut que j'ai build du coup? C'est de la merde de faire des mercures, c'est la pire idée que j'ai eue. Là, c'est derrière ce game. 40 secondes dragon, je le fais rarement, mais je pense que c'est des bonnes bottes. Attention, là, quand même, le. Je me suis montré, du coup, il va prendre beaucoup de pression en bot. Il fait nimp. Dommage que j'ai pris le kill. Elle décale de la Lulu, je peux décaler au bot moi pendant ce temps-là. Ah, j'ai bien compris ton call. Call d'ailleurs très dangereux. Non. Ouais, t'es en 3-0, ça fait mal en vrai ça. Deep. Botlane, par contre, on perd beaucoup. T'aimerais revenir en pro? Non. Je suis bien là où je suis, no joke. Et je prends vraiment. Je sais que en tant que joueur pro, je prendrais moins de plaisir à jouer au jeu. Question, j'ai le temps. Ah, il y a même plus de plate. Je pense qu'on devait 1 facilement. Attends. En effet, faudrait pour le respawn du dragon, j'aurai mon ultimate, pareil pour Eka, on aura l'ultimate en plus de Irelia et de Karthus, donc on se met bien.
Dommage pour Nult. Ah les patins. Il est mort aussi du coup. Mon Q a pas stun, c'est un peu dommage. Il fait pas de dégâts aussi, Kirtus. Genre si on regroupe autour de Lulu et Kog'Maw, c'est justement là où on peut perdre. Surtout qu'elle a fait Moonstone donc. Ça rend le Kog'Maw vraiment tanky en vérité. Genre là il a pas perdu d'HP. Poggers. Quand même la petite faiblesse de l'ultimate de Viego, c'est que tu peux savoir exactement où il va atterrir donc tu peux prédicter quoi. Qu'est-ce que je build? En tilt c'est pas mal en vrai. Je me suis fait cancel mon portail par l'ultimate de Lulu, c'est pas de chance. Ils vont loin. Lulu a pas de lâche. Pour l'intermédiaire lane au moins. Ulti out frérot. Ulti out fast. Il a ulti out très tard. Il va se faire ultimate sa mère par Malphite. Ça peut être le throw de la game ça. Ah mais il va non plus, je sais qu'il faut pas faire sur de Lulu et de. Et de Kog'Maw. Bon après s'il avait pas eu de flash ça aurait été bien mais bon. C'est de regarder ce que la Fiora fait. Qui c'est qui a flash dans le mur? C'est le Gartus qui a flash dans le mur, non? Le but c'est plus de gagner du temps sur le Nashor qu'autre chose. Quoi. J'ai vraiment pris un ultimate de Ezreal. Ridge. Nice. Je crois que j'avais pas encore mon shield. Oula. Ah, il a plus éloigné qu'autre chose. Ils veulent pas le fight. Mon stun. Oui. Ça sert à rien, le ref. Je peux pas fight avoir Viego après. C'est de la merde de retrouver pour péter. Ils sont pas bien malins. Soit en Nash, soit en dragon, me faire un truc. Hein. Déjà trop tard pour dragon. Donc un peu de chance, c'est parti à la base. Sortez les refs. Bah je vais me pousser gaffe, super. Ah, je pense qu'on a perdu. Peut-être qu'ils ont tous les deux des rendus et tout, genre. Mais si tu me mitraillettes, on peut rien lui faire, genre. Même, il y a Ezreal aussi qui a scale maintenant, je pense que ça va être très dur. Ouais. Ah, c'est si difficile. Il choue, putain. Ah oui d'accord. Putain il se croit cool en plus hein. Quel cringer putain. Eh bien GG à tous.
quelle dinguerie. Il troll la gueule. Il fait juste n'importe quoi. Là. Je sais pas si je l'ai touché dans le... Tiens, on l'a eu un peu. J'ai ulti, je voulais prédire là où était Viego, mais je suis pas réussi. On met tellement de temps à le faire, frère. Pourtant, je tank, hein. Putain, les non-dégâts qu'on a, the fuck. Je pensais que Fura le one-shot très jeune. I'm very excited to join the LEC team for the 2021 summer split. Fighting. On a tellement de temps. Je sais pas comment on a gagné le chip patch, j'ai pas tout compris, mais... Faut instant fight avec l'Elder. On a encore un Elder, mais c'est tellement dur de live, mec. Let's go. Je sais pas comment on a gagné, mais merci à la team. Merci à Irelia et Fura surtout. Et fuck ce Karim.